Eh bien bonjour à tous les amis, c'est ArcLight974, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo qui sera un petit peu différente des autres. En effet on se retrouve sur un jeu Android. Je me mets à faire des vidéos sur Android parce que je n'ai pas toujours l'occasion de faire des vidéos sur PC. Et donc je me suis dit bah ce serait l'occasion de faire des petits jeux sympas sur Android en vidéo pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Et pour tester notamment des logiciels de capture et de montage vidéo sur Android. Donc on se retrouve sur le jeu Xenowerk, un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps et que j'aime beaucoup. On incarne donc une chasseuse de mutants dans plusieurs niveaux. Donc c'est parti, on va faire là. J'ai déjà commencé un petit peu le jeu pour voir un peu ce que c'était. Et on va donc se faire l'étage numéro 1 de la recherche médicale. Donc c'est parti. Alors voilà, c'est parti. Donc le mouvement à gauche, la visée et le tir à droite. Là nous avons un endroit pour pouvoir avoir des buffs si on veut, voilà. Donc c'est parti. Alors la carte en haut à gauche, à droite, excusez-moi, pour voir où sont les mutants. Et là il y a un mutant, voilà. Et il n'existe plus. C'est assez glauque comme, comme jeu. Attention, là. Voilà. Il n'existe plus lui non plus. Ah lui, attention. Voilà. Il m'a lâché quelque chose? Non, il m'a rien lâché. Donc. Très bien, on va regarder si on n'a pas d'autres à côté. Donc là, c'est la sortie. On va éviter d'aller par là. Le but, c'est de tous les trouver et de les éliminer. Là, par exemple, il y en a deux. Là. On va faire attention. On va essayer le fusil à pompe. J'ai un fusil à pompe. Voilà. Bon, ça marche plutôt bien, pour le coup. Ah, il m'a attaqué, c'est bon. J'ai récupéré une amélioration pour mon arme. Donc, c'est parfait. Donc, on continue un petit peu pour voir. Hop, on va aller dans cette aile-là. Ah bah non, bah c'est là d'où je viens. Ok, donc normalement, il devrait encore avoir des endroits que je n'ai pas encore explorés. Ici par exemple, voilà. Alors là il y en a deux, il y en a un qui est juste là. Alors on va essayer de pas se faire aggro. Allez, par les deux en même temps. Attention, je me suis fait avoir. Attention, c'est bon, je l'ai eu. Ok, on va interagir avec ça. Voilà, j'ai réussi à avoir le planning. Et donc maintenant, comme vous voyez en haut, les trois étoiles, comme on pourrait dire, mais ça ce sont des signes clairs. Ont été remplis, donc j'ai désinfecté toute la zone et c'est parti, on va à un autre étage. Allez, voilà. Donc l'étage numéro 1 terminé. Très bien. Et j'ai gagné 240. Donc on va continuer. Je vais pas faire le deuxième étage, je vais faire ça dans une autre vidéo. Voilà, ça arrivera au cours. Au cours des jours à venir, et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a au niveau de l'équipement. Donc voilà, donc les différentes armes qu'on peut acheter au fil du jeu. Donc on a un peu de tout, hein, fusil mitrailleur, fusil à pompe, voilà, et les armes secondaires. Voilà, c'est à peu près la même chose. On débloque au fur et à mesure avec notre niveau et l'argent qu'on gagne. Et bien sûr, les combinaisons différentes qui nous donnent des avantages au fil du temps, au niveau notamment de la vitesse, de l'armure et des pouvoirs, car plus nous faisons de kills dans une partie, plus nous avons une barre de pouvoir qui va augmenter au fil du temps et qui va nous permettre donc d'utiliser notre pouvoir, un pouvoir de vitesse, de régénération ou autre. Voilà, et bien merci les amis d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très prochainement pour la suite de cette vidéo.